Tu ne veux pas aller à l'école aujourd'hui? Non, maman. Moi, je n'ai plus d'énergie. Mirabel, tu es encore à la maison? Elle insiste pour que je l'emmène à l'école. Et moi, j'ai pas assez de force pour l'envoyer à l'école. Et c'est maintenant que tu me le dis? Tu étais dans... Désolée. Désolée? C'est tout ce que tu sais dire. Désolée. S'il te plaît, dépêche-toi. Je vais la déposer à l'école. N'importe quoi. Mon cœur, viens, on y va. Mais tu n'as pas pris ton petit déjeuner? Attendez un peu, je fais la table. Et c'est maintenant qu'on prend le petit déj. Je ne sais même pas où j'ai enlevé ça. À cette baby, heure, au revoir, maman. Bye. Je suis fatiguée. Je n'ai plus d'énergie pour faire le ménage. Oui, vous parlez bien, monsieur. Ok, ça vous dit si on prend rendez-vous après le boulot entre 18h et 18h30. Oh, vous ne serez pas disponible? Ok, et si on déjeunait? Disons entre midi et deux. Super, ça marche alors. Moi, ça me va en tout cas. Ok. Passez une excellente et agréable journée. On se voit tout à l'heure et merci encore. Ok, bye. Bonjour, monsieur Eddy. Bonjour, Suzanne. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Ton patron, il est là? Non, monsieur, il est malheureusement pas encore arrivé. Oh. Normalement, il devait être présent. N'est-ce pas? Je suis moi-même surprise. Il ne m'a pas dit qu'il serait en retard aujourd'hui. Il sait que vous devez passer? Oui, je l'ai averti. Bonjour, monsieur. Oh, Suzanne, comment ça va? Très bien, monsieur. Bonjour, Eddy. Tu es en retard, mon gars. Je suis désolé. Je devais déposer ma fille à l'école et les embouteillages... J'imagine ta souffrance. Oui. Bref, allons dans mon bureau. On a beaucoup de choses à faire. Ok. Ok, ça marche. Suis-moi. J'espère que je ne t'ai pas fait trop attendre. Toc, toc. Qui est-ce? Toc, toc. C'est ouvert. Oh, comment vas-tu, Loretta? Hey, Diana? Ah, c'est pas possible. Quelle surprise de me voir. Bien sûr que je suis surprise. Tu es en Europe, non? Il y a 4 ans de cela. Oh, mais c'était dans la même période que j'ai eu ma fille. Wow. Et elle est où? Elle est allée à l'école. Oh, j'ai tellement envie de la voir. Sois la bienvenue. As-tu arrivé quand? Il y a 2 semaines, mon beau-père a été couronné roi de notre royaume. Alors, je suis revenue pour son intronisation. Ah! Alors, tu es maintenant... Attends un peu. Tu es la princesse? Oui. Princesse. On peut dire ça, ma chère. C'est bien. C'est une bonne nouvelle. Tu sembles avoir des problèmes, Loretta. Pourquoi tu t'habilles de cette façon? Regarde-toi, tu es en panne, tu es en surpoids. Franchement, ton cas m'inquiète. Ah, je suis à la maison. Je ne m'attendais pas à toi. Tu comprends? Je suis à la maison. Je venais de faire une soupe. Ne t'occupe pas de ça, ma chérie. Ton mari ne se plaint pas? Pourquoi va-t-il se plaindre? Ici, c'est le Nigeria. Personne ne se plaint. C'est ce que aiment les hommes africains. Ils n'aiment pas les filles minces. Ils aiment bien quand les femmes ont de la chair, très molle, qu'ils pourront attraper malaxé, tu vois? Tu étais bien sexy, très coquine, encore plus belle qu'à l'époque quand nous étions à l'université. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais je ne suis plus à la recherche d'un homme. Qu'est-ce que je vais faire avec des maquillages? Depuis que j'ai accouché, je ne me fatigue plus, je n'ai plus d'énergie. Je t'arrête tout de suite. Tu dois continuer à te faire belle pour lutter pour ton foyer. Tu manges un peu trop. Tu penses que tu es en Europe? Ici, c'est le Nigeria. Donc, qu'est-ce que je t'offre? Je ne t'ai même pas installée. Tu m'aides à finir mon plat?
Hein? C'est très bon. Ou tu veux que je t'offre autre chose? Allez, Diana, dis quelque chose, s'il te plaît. Tu sais quoi? J'ai de la soupe épicée et j'ai ajouté de la... De la bonne viande de cabri. Allez, viens ici, moi. Le loup affamé prit une pause et dit à l'agneau. Si ce n'est pas toi, c'est sûrement tes frères et sœurs qui se sont baignés dans mon breuvage. Et l'agneau dit. Chers messieurs, c'est impossible. Parce que je suis le seul enfant de ma famille. Le loup partit dans les bois parce qu'il ne savait plus à quoi penser pendant un bon moment. Et il se disait à lui-même, je pense que le plan mis en place ne va pas fonctionner. Alors, chérie, bonne arrivée. Comment a été ta journée? Mon Dieu, Loretta. Oui? Ne me dis pas que tu portes le même pagne avec lequel je t'ai laissé ce matin. Oui, où est le problème? Et ça se voit que tu n'as même pas pris ta douche. Ah, je ne me suis pas lavée parce que la maison est grande et j'ai travaillé depuis ce matin. Ensuite, elle est revenue de l'école, je dois m'occuper d'elle. Il est 19h, Loretta, et tu ne t'es pas lavée. Tu sais combien de choses j'ai eu à faire dans la maison? Je ne me suis pas lavée, ok, j'y vais. Loretta, tu me déçois. C'est quoi tout ça? Va chez maman. Donne-moi ta veste. Ok, on a fini la lecture. Tiens ta peluche. Tu as vu, si tu dormais plus tôt, ton père n'allait pas me crier là-dessus. Tous les jours, il se fâche, je n'aime pas ça. Bernie? On ne peut pas se reposer en paix dans cette maison. Bernie, je suis ta femme. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Hein? Je ne suis pas une chose. Bernie, s'il te plaît. Je suis fatiguée, ok? J'ai beaucoup de choses à gérer aujourd'hui. Mais tu as des obligations conjugales envers moi. Tu ne t'es même pas lavé. La sueur. Mais fais ça comme ça. Non, non. Mais où est-ce que tu vas? Bon, attends, je vais aller me laver. Stop. C'est maintenant, tu sais que la douche existe. C'est maintenant là, il est 2h du matin. C'est maintenant, tu vas chercher à te laver. Mais je n'ai pas une mauvaise odeur. C'est ce que tu crois? Tu me fais honte. Loretta. 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 C'est quoi ça? Pourquoi tu utilises la pâte en appuyant le milieu? Même la personne la plus bête de ce monde saurait l'utiliser. C'est quoi tout ça? Donc pour ça, je ne suis pas assez intelligente? Avant, oui. Actuellement, non. Mais tu sais que c'est seulement les gens stupides qui réveillent ceux qui sont en train de dormir. Commence à crier dans tous les sens à cause d'une pâte dentifrice. Tu veux que je t'en achète une autre? Je vais t'acheter une autre. Je vais t'acheter ces 5 cartons. J'aurai la paix dans cette maison. Regarde-moi des choses comme ça. Tu ne sers à rien. Tu n'es qu'une bonne à rien. Moi? Bonne à rien? Ah, c'est bien. Je sais que je sers à rien. Mais au moins mes parents sont encore là. Ils vivent chez eux en paix et ils ne sont pas encore séparés. Toi, où est ton père? Il ne t'a pas abandonné? Bonne à rien. Dis plutôt merci à mon père. Sinon, qu'est-ce que tu allais devenir, toi? Ah.
Loretta! Loretta! Hey, Seigneur, sauve-moi! Oh, comment j'ai pu me marier avec un porc, hein? Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu m'appelles comme ça? Loretta, tu vois, hein, s'il te plaît, je suis fatiguée de ce mariage. J'aurais dû rester célibataire, ça aurait été plus simple que pousser une femme comme toi. Je t'ai mariée pour que tu prennes soin de moi, pas pour que tu jettes tes slips partout. Regarde toi-même. Bernie, tu ne m'as pas dit ça. Vois-tu? Si tu voulais qu'on prenne soin de toi, fallait te prendre une servante. Une servante? Oui. C'est ça le rôle, mon chéri, prendre soin de toi. Bravo. Loretta, tu ne prends pas de douche? Tu ne prépares pas? Regarde notre chambre, il n'y a que tes habits partout. Et maintenant, ce sont tes dessous sales dans toute la douche. Mais tu pouvais juste dire que c'était ça ton problème. Tu pouvais me le dire au lieu de me réveiller et crier dans tous les sens. Mes dessous te gênent? Attends, je vais les laver. Tu vas où là? Tout est dans l'eau, je vais les laver plus tard, s'il te plaît. Je te le dis. Donc je les verrai ici. Regarde-moi bien dans les yeux. Tu vas le faire maintenant, s'il te plaît. Bernie, c'est quoi le problème? Laver mes dessous, c'est toi qui les portes? Et alors? C'est toi qui les portes? Mais ce n'est pas une je vais les laver quand j'en aurai envie. Je te connais. Tu vas les laisser là, s'il te plaît. Fais-le rapidement pendant que je suis là. Ok? Je suis fatigué de tout ça. Qu'est-ce que ça signifie? Je le ferai plus tard. Tu penses que je suis ton enfant? Oui, tu es devenu un cauchemar. Je vais te traiter comme un enfant. Je vais m'asseoir ici. Ok. Je vois que tu ne veux pas que je sorte. Je vais t'enfermer dans les toilettes. Oh. Je te jure que je vais t'enfermer. C'est quel genre de mariage ça? Lave-moi ça, dépêche. On te dit ça pour ton bien et tu discutes. Ça veut dire quoi? C'est pour cela que je t'ai épousé. Tu t'es levé avant moi. Si tu avais lavé mes dessous, tu allais mourir? Moi, laver tes dessous? Les hommes riches lavent les dessous de leurs femmes. Ton père lave les dessous de ta mère? Sans bruit. Regarde-moi ça, paresseuse. Ne lave pas tes dessous, attends un peu. Ton père viendra le faire. N'importe quoi. Bernie, tu es un leader dans ton lieu de service. Tu es un exemple à l'église. Comment veux-tu que les gens réagissent après cette nouvelle? Pasteur, je suis fatigué. Elle n'est plus la même femme que j'ai épousée. J'ai essayé de lui faire comprendre ce que je pensais. Mais ça ne marche pas. Ce qui l'intéressait, regarder Africa Magique, Telemundo et Z-World, rien de plus. De quoi te plains-tu? Ce n'est pas évident. Elle ne fait que manger tout le temps. Elle ne se lave pas. Elle ne lave pas ses habits. Elle ne se brosse pas. Elle ne se rase même pas. Elle rend la maison sale comme un animal. Le désordre partout. Je cuisine moi-même. Je nettoie la maison. Et elle ne fait rien dans cette maison. Si jamais tu mens sur moi, c'est le tonnerre qui va te foudroyer. Moi, je n'ai rien à dire ici. Tu vas tout payer. Arrête-moi ça. Pasteur. Mon Dieu. Vous voyez ce dont je parlais? Maman, il a dit tout à l'heure que j'étais grosse comme un animal, que je pue comme je ne sais quoi. Et tu ne l'as pas contredit. Rien du tout. Il s'attend à ce que je prenne soin de cette grande maison, seule. Comment? Hein? Il a voulu que j'arrête de travailler. Et aujourd'hui, il se plaint que je sois en panne. Maman, tu ne portes pas de panne, toi? Est-ce que ton mari se plaint? Non, il ne devrait pas le faire parce que tout le monde le fait. C'est ça. Tu veux que je porte une veste et une cravate pour te faire à manger toujours? C'est lui qui m'a dit de ne plus travailler. Et aujourd'hui, monsieur veut que je ressemble à une femme d'affaires, hein? Tu ne vas pas travailler au... Tu ne vas pas travailler, ok? Et on en a déjà parlé. Oublie ça, d'accord? C'est pas toi, c'est moi, maman. Cet homme que tu vois là, il m'a dit pourquoi tu as fait venir maman. Je ne comprends pas. C'est toi, mon cher mari, qui me trompe. C'est toi qui me harcèle. C'est toi qui m'insulte à longueur de journée. C'est encore toi qui refuses d'accomplir ton devoir conjugal avec ta femme que je suis. Même si tu braques une arme sur ma tête ou une machette, si tu veux kidnapper-moi, emprisonne-moi, je ne coucherai jamais avec toi. Bébé, bonne arrivée. Loretta, tu es encore dans le même panne depuis ce matin. C'est parce que je n'ai pas encore pris mon bain. Loretta, tu ne t'es pas encore lavée depuis ce matin.
Je vais me laver après le film. Espèce de porc, tu n'as qu'une décharge. Pourquoi? Pourquoi tu agis comme ça? Bébé, arrête de m'insulter. Tu viens à peine pourquoi d'arriver. Pourquoi je dois t'insulter? Porc, pourquoi tu fais ça? Bébé, je suis désolée. Je ne suis pas ton bébé. Je m'excuse. Sale porc, tu me dégoûtes. Hein? Chérie, ne t'énerve pas, s'il te plaît. Excusez-moi, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Désolée de vous déranger. Vraiment désolée. Je suis désolée, je n'ai pas eu le temps de vous dire merci pour le plat que vous m'avez offert. Oh. Pour une belle femme comme vous, c'est un plaisir. Oh, merci. Je peux connaître votre nom? Je m'appelle Bernie. Bernie Amadi. Ok, moi c'est Jacqueline. Mes amis m'appellent Jackie. Donc, vous pouvez m'appeler Jackie. Heureux de faire votre connaissance, Jackie. Moi aussi. Ah. Alors, Jackie, si ça ne vous dérange pas, c'est possible de changer le numéro? Bien sûr. Allez-y. Okay. Donnez-moi votre numéro. Ok, d'accord. Ok. Vous pouvez vérifier. Voilà, okay. C'est mon numéro. Super. Ok, on s'appelle alors, d'accord? Ok, ça marche. Ok, à plus. Bye. Patron, bonne arrivée. Merci, tu vas bien? Oui, ça va, patron. Bonsoir, regarde, monsieur. C'est ici que je vis. Waouh, c'est vraiment plein et beau. T'es dit? Ouais. Ah, bonne arrivée. On y va, les gars. Loretta! Loretta, ça signifie quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Ne crie pas! Toutes mes excuses! Pourquoi la maison est dans ce si mauvais état? Est-ce que la maison était comme ça ce matin? Veuillez vous asseoir. Non, ça va. Je ne sais pas qui a mis ma robe ici. Et alors? Sois calme, Ben. Non, 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 non. Qui l'a fait? Dis-moi. Tu désordres partout dans la maison. Des objets partout. Oui, s'il te plaît. Tu éclates tes pieds n'importe où. Et tout ça, tu vas me dire. Je vais prendre le désodorisant. Le désodorisant? Du calme. Je me demande bien si tu as Ben, pris ta s'il douche. Te plaît. Calme-toi. Du calme. Ok. Ok, les gars, je me calme. Ça va. Ça va. Je suis désolé. Non, c'est rien. Oh non, on comprend. Ok, alors. J'étais un peu confuse. Je voulais presque toutes les couleurs. Je voulais du bleu, du rouge, je voulais du rose. Elle était furieuse après moi. Elle me disait, tu veux tout, comme un bébé. Quoi? Tu es vraiment belle. Encore plus belle que la première fois où je t'ai rencontrée. Merci à toi. Tu sais, la première fois au supermarché, j'ai cru à l'existence d'un ange. J'avais un ange devant moi. Je suis sérieux. Franchement, tu es très très marrant. Non, mais je suis sérieux. Je n'arrive pas à croire que tu te tiens en face de moi. C'est comme si c'était un rêve.
Ok, d'accord, tu ne rêves pas. Tout est réel, nous sommes vraiment en train de dîner ensemble. Tant mieux alors, parce que j'allais te bouffer un beau matin si tu m'avais posé un lapin aujourd'hui. Je pense que tu blasphèmes, toi. Et ça, ça devient vraiment très très sérieux. Mais je suis prêt à sacrifier ma vie juste pour passer du temps avec toi. Arrête un peu de me flatter. Je t'en prie, soyons sérieux. Arrête un peu. Assez parlé de moi. S'il te plaît, parle-moi un peu de toi. Je veux avoir plus d'infos. Tu es mariée? Oui, je suis mariée. Mais je suis un cœur à prendre. Je m'en doutais bien évidemment. Oh, passons là-dessus. Mais merci d'avoir été honnête avec moi. Certains hommes ne le sont pas, tu sais. J'aime bien les hommes qui sont honnêtes avec moi. Ok alors, prends-moi la main. Ouvre-moi grandement la porte de ton cœur. Je t'assure que tu ne regretteras pas. Ok, buvons. Je suis décidé. Ça ne peut pas finir ici. De sûr que oui, et Jackie va aménager chez moi. Ça serait une grosse bêtise si tu le fais. J'ai déjà commis une erreur bien plus grave que celle-là déjà. Est-ce que tu m'entends? Pourquoi tu ne cherches pas une servante pour ta femme? Mais on n'en a pas besoin. Je n'ai jamais vu une femme aussi paresseuse. Jamais. Est-ce que tu as pensé au moins à ta fille? Ma fille, elle ira bien. Tu m'as l'air inquiet. Je voulais te poser une question. Ok, alors vas-y. Je t'écoute. Pourquoi veux-tu être avec moi, Jackie? Je ne te comprends pas. Réponds à la question. Tu me plais. Tu es sincère et vrai. J'aime bien ta compagnie. Et aussi, tu me rends heureuse. Tu veux que je continue? Ma vie est très compliquée. Ma femme et moi ne sommes plus en de bons termes. Ces deux dernières années, nous ne sommes jamais tombés d'accord. Nous faisons des histoires. C'est dur. Je pense que je ne ressens plus rien pour elle. Continue. Et? Elle a refusé de quitter la maison parce que nous n'avons pas divorcé. Moi, je suis fatigué de vivre avec cette folle. Je veux être avec toi. Seulement toi et moi. Je veux que tu sois plus proche de moi. J'ai besoin de toi. Et je veux que tu viennes vivre chez moi. Quoi? Oh non! Oui. Écoute, c'est avec toi que je veux vivre. Ok? Je t'aime. À moins que tu ne m'aimes pas, toi. Ne transforme pas les choses. Tu sais que je t'aime. Mais ce que tu me demandes est trop difficile pour moi à venir vivre chez toi. Je pense que tu dois me laisser un peu de temps pour que j'y pense sérieusement. Je pense que je t'ai donné assez de temps. Ben... Ok, laisse-moi encore du temps. Je te fais signe après. Je t'aime et tu le sais. Oui, qui est là? Qui est là? Bonjour. Bonjour, madame. S'il vous plaît, vous venez voir Kyo. Ton patron est là. Ok, alors, merci. Oh, bonjour. Bonjour. Vous êtes sûrement Loretta? Oui, c'est moi. Qui êtes-vous? C'est pas important. Est-ce que Ben est là? Ben? Hé, bébé. Comment tu vas, bébé? Tu vas bien?
Oh, bien. Je te présente mon ex, Loretta. Oh. Loretta, je te présente l'amour de ma vie, Jacqueline. Enchantée. Bébé, rentre, je t'installe. Merci, bébé. Ta maison est grande. Merci beaucoup. Bernie, 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 c'est à toi que je parle. On y va, ne le coupe pas. Bernie. Dis rien. Tu m'ignores, c'est ça? Bernie, c'est moi que tu ignores. Ça ne va pas chez toi. C'est à toi que je parle. Tu sais pertinemment que tu n'as pas le droit de... De quoi? De quoi? Je t'ai demandé de partir et tu es encore là à nettoyer tous les recoins de la maison. Merci. Monsieur le chef, si tu penses vraiment que tu es un homme comme tu le dis, tu peux prendre tes affaires et ta prostituée et dégager d'ici. Parle-lui. Oh, non. Oublie-la. Hey, fais la sortie de la maison. Chut. Rentre dans la chambre, ok? Laisse-moi régler ça. Deux minutes. Et toi? Je t'ai donné 4 années de ma vie et je n'ai vécu que cauchemar. Hein? Mais regarde-toi. Qu'est-ce que prendre soin de soi signifie? Regarde comment tu es. Où est-ce que je suis devenue? Je ne quitterai pas cette maison. Cette maison est aussi la mienne et tu ne pourras pas m'intimider. C'est pareil pour moi. Je n'irai nulle part, ok? Alors considère que tu es libre. It's not easy to find someone who will treat you right. Yeah, standing by you through thick and thin, through the ups and the downs. Tu sais, chérie, je suis vraiment très heureuse d'être ici avec toi. Ah, je suis vraiment ravie. Bien ça. Bien évidemment, mon amour. Tu sais quoi? Je vais tout prendre. Elle est drôle, je te dis. Chérie. Je vois bien qu'il s'est trouvé une bonne niche. Qu'est-ce que tu lui as dit? Tu as bien entendu. Il s'est trouvé une bonne niche. Je vois. C'est ce que tu penses de moi, je suppose. Évidemment. Écoute-moi bien. Fais très attention à là où tu mets les pieds. Je n'ai pas besoin de me tracasser pour toi. Parce que je sais que dans la vie, on ne récolte que ce que l'on sème. Tu comprends? Ma chérie, ce n'est pas moi qui l'ai brisé, c'est de ta faute. Ok? Il avait déjà mis une croix sur toi quand je faisais sa rencontre. Tu ferais mieux de ne pas te frotter à moi, je te dis. Ok? Je me demande bien comment il a pu sortir avec une décharge. Tu es malade? Je vais te... Bonjour, tata Jackie. Comment tu vas, chérie? T'as bien dormi? Oui, tata. Maman, il est où, papa? Oh, il est au boulot, ma chérie. Voleuse. Jetée à l'œil.
C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Ça ira. Non, ça ne va pas. Dis-moi. Oh, Bernie, laisse tomber tout cela. Laissez tomber? Oui. Moi? Ok, on verra. Bernie, viens, viens, s'il te plaît. Dis-moi ce qu'il y a au juste. Oh, tu n'as pas à t'en faire pour ça. C'est rien de spécial, rien de grave. Rien de grave, je dis. Ok. Arrête de... Non, mais essaie de te calmer. Je te dis que je gère cette affaire. Ça sera prêt. Oui, tout à l'heure. Ok, je te rappelle. Mm-hmm. Dis-moi, où est-ce que tu vas habiller comme ça ce matin? En quoi est-ce que cela te concerne? Bref, en passant, où est ma fille? Ça fait un moment que je ne la vois pas. Pourquoi tu demandes? Je l'ai envoyée chez ma mère parce que je m'inquiète pour elle. Et je n'ai pas envie de la mêler à tout ce qui se passe dans cette maison, tu vois. Et moi, oh, non? Oh, bien sûr, tu t'inquiètes. Je n'avais pas remarqué. Pourquoi tu as pris une décision sans même daigner me consulter? Loretta. Bref. Je reçois un membre de ma belle famille. Alors, je propose que tu prennes... une chambre en haut, parce que j'ai vraiment pas envie qu'on fasse des histoires quand il sera là. C'est ce que j'avais à te dire. Ah, belle famille, tu as déjà deux frères et sœurs. C'est super. Dis-moi, pourquoi est-ce que toi et ta belle famille ne choisissez pas une autre chambre, Bernie? Je ne quitterai pas ma chambre, mon lit, mon espace pour toi. Je ne veux pas que tu déranges ma vue et aussi celle de mes invités. Alors je suggère au moins que tu t'habilles proprement. Et que tu arrêtes de me faire honte avec ta tenue du village. Je ne vais pas te laisser gâcher mon humeur ce matin. Je dois aller au travail. Travail? Et tu travailles où déjà? Hein? Au marché? Je n'ai pas ton temps. Ou tu es technicienne de tu surface? Tu n'es qu'un bon à rien. Moi, un bon à rien? Et que dire de toi alors? Hein? Espèce de villageoise. Je vais au travail. Tu sais ce que ça signifie? Bonjour, madame. Bonjour. Je pense que je suis venue un peu trop tôt. Non. Venez, s'il vous plaît. Venez vous asseoir. Vous êtes au bon endroit. Je vais vous installer. Allez-y. Soyez la bienvenue, madame. Qu'est-ce que je vous sers à boire? Ce que vous voulez. Mais quoi précisément? Juste quelque chose que je mettrai du temps à finir. Ok, je vous envoie quelque chose. Tu es vraiment drôle, donc je suis supposée parler avec un accent blanc juste parce que j'étais en Europe, c'est ça? Mais Marc, beaucoup de gens le font! Ne me dis pas que c'est la première fois que tu l'entends! Les gens voyagent juste 2 mois et reviennent avec un accent de blanc! Ok, tu peux rire! J'ai une de mes amies qui a voyagé pour 2 mois, juste 2 mois! Et quand elle est revenue, c'était... Jackie vient ou quoi, Jackie? Elle grince déjà! Je me disais, mais qu'est-ce qu'elle a? Vous êtes encore ici? Oui, oui! On rattrape un peu le temps perdu. Temps perdu, ouais. Ah, rattraper le temps perdu? Tu m'avais dit que tu étais allé le voir récemment. Et alors? Ça ne me suffit pas. Oh, s'il te plaît. Je pense que je vais devoir aller dormir et vous laisser un peu. On se verra demain. Non, okay. Non. Allez, tu peux rester. Dis-moi, Loretta est revenue? Bébé, depuis quand est-ce que je suis devenue la gardienne de Loretta? Tu es trop jalouse. C'est juste une question. Sois relax. Non. Non, quoi? Non, elle n'est pas rentrée. Elle n'est pas rentrée? À cette heure-là? Tu m'as bien entendu? Bébé, calme-toi, s'il te plaît. Hein? Tu sais que c'est toi que j'aime. Hein? Sois pas comme ça, ok? Tu as intérêt. Bien sûr que oui. Je vais aller me coucher maintenant. Ok, bébé. Marc, bonne nuit. Bonne nuit. Ne mets pas trop de temps, d'accord? Ok, d'accord. Je te rejoins, ok?
Eh bien, peut-être que je vais aller me coucher moi aussi. Je ne vais pas du tout perdre ton temps. Ma soeur t'attend et... Non. J'ai pas sommeil. J'ai bien envie de prendre l'air. Juste profiter, tu vois. Ok, ça ne me dérange pas de rester avec toi. Pas du tout. Ouais. T'en es sûr? Oui, bien sûr. Oh, ok, ça marche. C'est top alors. Dites-moi, je vous dois combien? 2000 naira, monsieur. 2000, ok. Ah. Ok. Merci beaucoup. De rien. Bye-bye. Bye. J'espère vous voir demain. À demain. À demain. Ok. Madame? Madame? Réveillez-vous. Madame, s'il vous plaît. Madame? Madame? Levez-vous, s'il vous plaît. Bonsoir. Madame? Nous allons bientôt fermer. Madame? Ouvrez les yeux, s'il vous plaît. Vous oubliez vos chaussures. Oh, les voici, madame. Merci. Non, pas par là. Plutôt par ici. Qu'est-ce qu'il y a? Désolée. Combien ça fait au juste? Ne vous inquiétez pas, un client a déjà payé. Un client, c'est qui? Oh, monsieur Main, il est parti. C'est lui qui a payé. Si jamais vous le revoyez, dites-lui. Dites-lui merci de ma part. Ok, je n'oublierai pas. Rentrez bien. Prenez celle-là. Je vous aide à sortir. Bye. Bonne soirée. Merci. C'est une situation compliquée. Laisse tomber. Ouais, je te le fais pas dire. Malheureusement, c'est la triste réalité. Ouais. Loretta! Marc? Marc, mais qu'est-ce que tu fais là? Hey, tu avais voyagé? Et là maintenant, je vois que tu es de retour et tu avais complètement disparu. Waouh! Tu m'avais brisé le cœur. Que voulais-tu que je fasse? Oh, mais non! Mais attends, ne me dis pas que Bernie est ton... Oui. Bernie est ton... Il est mon ex. Ex-mari. Waouh, c'est un truc de malade, je n'ai jamais vécu une chose pareille. Je suis désolé. Non, ça va. Waouh. Je suis vraiment fatiguée et j'ai besoin de dormir, tu vois. Ah, waouh. Je sens une odeur d'alcool, tu viens de boire. Non, je ne suis pas arrivée ici, moi. Tiens, je vais bien, je te dis. Tu as besoin d'aide, laisse-moi faire. Oh, stop. Je connais le chemin, est-ce que tu m'as aidée quand je conduisais? Bonne nuit. Ok, d'accord. Bienvenue, je suis très heureuse de te revoir. Moi aussi. Yeah. Loretta et toi, comment dire? J'ai pas envie d'en parler, s'il te plaît. Pas maintenant. C'est une longue histoire, ok? Une autre fois peut-être. Ok, bien sûr. Bonne nuit. Et dors bien. Toi aussi. Il est ami à Loretta. Bonjour. Cette chambre est désordonnée comme s'il y avait une guerre ici. Mmh.
Je me sentais un peu trop seule hier. Tu es allée boire. Et quoi d'autre? Tu viens de le dire. Je sentais que tu n'allais pas descendre pour le petit-déj, alors j'ai décidé de te l'apporter moi-même jusqu'ici. Marc, je suis toute seule dans cette grande maison. Je ne descends jamais pour prendre un petit déjeuner. Ne dis pas ça. Ok? Tu dois te bouger, Loretta. Il ne m'aime plus. Je pense que je... Je dois m'en aller d'ici et me trouver un appart parce que je n'ai plus rien à faire ici. Et je pense que nous sommes arrivés au stade final. Hey. Ne pleure stade. Pas. Je ne sais même plus comment faire pour être à nouveau heureuse. Arrête un peu. Je me sens mal quand je pense que tout ça, c'est la faute à ma sœur. Non, c'est pas le cas. Je pense qu'il y a d'autres femmes avant elle. Je pense qu'on s'est trop un peu précipité. On ne maîtrisait pas les sentiments que chacun avait pour l'autre. Et nous n'avons pas cherché à savoir si on était compatibles. Je pense qu'on n'aurait pas dû se marier. Je vois que je n'ai pas fait le bon choix. Je ne sais même plus où mettre la tête. Calme-toi. Ce que tu penses n'est pas vrai. Écoute bien ce que je vais te dire. Tu es une femme magnifique que tous les hommes désirent, je t'assure. Ok. Marc. Ça va aller, ok? Arrête de pleurer. Essaie de manger un peu, un tout petit peu. Je n'ai pas envie. Allez, essaie de faire un effort, juste une bouchée. Non, hein? Je veux pas. Marc. Ouais. Salut. Je constate que tu étais dans la chambre de Loretta. Oh oui, je viens de lui apporter son petit-déj. Que s'est-il réellement passé? Pour l'avoir connue normalement, tu devrais t'en douter. Oh, ça c'est le caractère typique de Loretta. Normalement, tu devrais t'y habituer. Attends, ne me dis pas que c'est pour cette raison-là que... Et pourquoi est-ce que je ne devrais pas? Oh non! Qu'est-ce que tu attends de la fille unique d'un homme riche? C'est normal qu'elle soit capricieuse. Non, c'est plus que ça. C'est juste que je ne sais plus quoi faire d'elle. Elle ne fait que me narguer. Elle se plaint. Elle ne fait rien d'autre à pas me haïr. J'imagine que tu es amoureux d'elle. C'est plutôt toi qui es amoureux d'elle. Écoute, tu n'aurais jamais dû envoyer une autre femme en sa présence. Tu aurais pu gérer tout ce que tu avais à gérer en dehors d'ici. Hein? Fais ce que tu veux dehors, mais évite d'envoyer ta copine vivre chez toi, hein, Bernie, c'est... Je ne suis pas ce genre d'homme. Je ne le suis pas. Je suis un homme, mec. C'est vrai que les choses ne vont plus entre elle et moi, mais je ne pouvais pas me permettre d'avoir une relation cachée. Je veux vivre heureux où j'en ai le plus besoin, et c'est ici, dans ma maison. Ok, je respecte ton choix, c'est ton droit. L'agent immobilier que Jackie a appelé pour moi est déjà en route, alors je vais m'apprêter avant qu'il n'arrive. Ah, ok. Si tu veux acheter une maison, je te suggère de chercher dans les zones excentrées. Il y a de bonnes opportunités là-bas. Oh, ok. Tu sais, les zones de la ville sont carrément prises. Et là-bas, les prix sont abordables, tu vois. Ok, merci beaucoup pour le tuyau. Ok. Oh non! Lève-toi! Lève-toi! Debout! Debout! Allez! Lève-toi! Allez, lève-toi! Laisse-moi tranquille! Écoute, je vais chercher une maison à acheter aujourd'hui. Et je sais également que tu as très bon goût. Alors j'ai besoin que tu viennes avec moi, s'il te plaît. Je n'ai vraiment pas envie de quitter mon lieu aujourd'hui. Et je n'ai pas envie de mettre les pieds dehors. S'il te plaît. Tu risques de faire une dépression et je ne laisserai jamais cela t'arriver. Ok? Juste, bouge-toi un peu. D'accord? Écoute, je suis convaincu que cette sortie va vraiment te faire du bien. Alors s'il te plaît, lève-toi, va prendre une douche et on y va. S'il te plaît. Je t'en prie. Oh, tu me fatigues. Ok, je m'apprête. Ouais, c'est génial.
je t'aide. Lâche-moi. Ok, debout, va prendre ta douche. Allez. Allez, debout, lève-toi. Oh, j'ai pas envie. On fait comme on a dit. On fait comme on a dit. Oui, on fera comme ça. C'est toi qui vois. Marc, viens un instant. Et qu'est-ce que ça veut dire? Hein, Marc? Pourquoi tu fais ça? Marc, donc tu as fini par te laisser embobiner par cette femme, c'est ça? Cette femme insipide et désespérée? Tu devrais toi aussi savoir parler aux gens, Jacqueline. Je pensais que tu avais un peu de respect, mais je suis vraiment déçu de toi. Oh. Oui. Ok. Tu tires ta joie dans la tristesse d'une autre femme. Ce sont des mensonges de Bernie que tu te nourris. Qu'il n'aime plus Loretta comme avant. Tu veux la chute d'une femme juste parce que tu as besoin d'un mari? Oh, je t'en prie. Marc, je t'en prie. Mesure tes propos. Je pense que nous deux devons mesurer nos propos. Je pense que chacun devrait s'occuper de ses oignons. Oui. Vraiment? Tu es sérieux, la Marc? Oh, et j'oubliais. Pour la maison, Loretta n'a pas aimé. Alors je ne la veux plus. Quoi? Donc maintenant, c'est à elle de décider, c'est ça? Marc, je suis... J'aime qui? Je pense contre elle et toi. Ce n'est pas encore fini. Bébé, je te l'ai dit plusieurs fois. Je ne ressens plus rien pour elle. J'ai fait pratiquement des années sans la toucher. Juste pour te dire qu'il n'y a rien. Ensuite, je t'ai rencontré. C'est avec toi que je veux vivre. Ne te laisse pas influencer. Ok? Ok. Ne pleure pas. Je t'aime, chérie, tu sais. Ne me fais pas de mal, s'il te plaît. Je ne te ferai jamais de mal, bébé. Ok? Ok. Ok. Ok, bébé. Je suis fatiguée, j'espère que tu vas me laisser me reposer. Tu es sûre de ce que tu dis? Oui. C'est ce qu'on verra. Bref, c'est quoi cette histoire de pagne? Oh non, arrête un peu. Si tu as un pacte spécial avec ce pagne, je veux que tu me le dises. Oh non, il se comporte comme Bernie maintenant. C'est juste un pagne, je ne vais nulle part. C'est juste que c'est facile de me couvrir avec. La manière la plus facile de te couvrir est de mettre... une nuisette sexy qui te mettra en valeur. Ok? Écoute, pour être honnête avec toi, tu es grosse. Je ne suis pas grosse. Quoi? Comparé à comment tu étais, je sais pas moi, tu faisais du XS. Non! Ah! Quoi? Tu fais une comparaison où tu me confonds avec une autre fille. Je portais du M et pas du XS. Je n'ai jamais porté du XS. Oh, s'il te plaît, c'est quoi la différence entre XS et M? Regarde toi-même, tu fais sûrement du L ou du XL. Je ne suis pas grosse. Ah. Pour un homme qui est attiré par des filles minces, tu es grosse. Oh, ah! Tu aimes donc les filles minces? En fait, c'est normal, j'ai un enfant. Loretta, je ne le dis pas pour que tu te sentes mal. Je veux juste que tu me donnes la permission de pouvoir au moins changer tes habitudes. Ok, je pense déjà que tu dois reprendre le travail. Bernie ne veut pas du tout que je travaille. Mais c'est juste parce que tu ne lui as pas montré que tu pouvais mieux gérer votre foyer malgré ton boulot. C'est vrai ça? Évidemment. Mais ça sera difficile de reprendre le boulot avec le comportement que j'ai eu. Tu as déjà des diplômes. Tu peux toujours essayer de trouver quelque chose d'autre. Tu dois, je sais pas, tu dois essayer. Tu penses que je dois envoyer un courrier à mon père? Non, tu dois le rencontrer personnellement. Ça serait encore mieux. Ok? Ok.
Mais... Non, 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 je n'ai pas envie d'entendre un seul mot sortir de ta bouche. Du calme, d'accord? Je ne suis pas du tout disposé à écouter tes plaintes. Maintenant, va me changer ce paille. Hé, oublie un peu mon paille. S'il te plaît, va te mettre quelque chose d'autre. J'ai envie de t'enlever ça et le foutre à la poubelle. Tu fais comme si ce paille te collait à la peau depuis ta naissance. Mais non! Je te jure qu'un bon matin, je vais te nourrir, puis le jeter très loin pour que tu ne le retrouves. Je vais te déchirer, va prendre ta douche. Tu te jures que je vais déchirer tous tes vêtements. Papa, je suis sérieuse. Laurie, je te rappelle que ma compagnie n'est pas une ONG, ou encore moins, une association humanitaire. C'est une compagnie qui gère de sérieuses affaires. Je sais. Je sais, papa, je suis désolée. Je comprends. Mais ce garçon que tu appelles ton mari, il a essayé de me prouver qu'il pouvait prendre soin de toi et qu'il n'aurait pas besoin de moi. Et moi, je ne peux pas laisser tomber cet acte. Mais papa, lui et moi, c'est fini. Il n'est plus mon mari. Ce n'est plus mon mari. J'ai vraiment besoin de ce travail. Les enfants. Bref, ta mère m'en avait parlé. Mais tu sais ce que je vois? Je vois deux petits enfants qui essaient de rendre leur vie plus compliquée qu'elle ne l'est déjà. C'est ce que je vois. Laurie, va plutôt prendre soin de ta famille. Va te battre pour le bonheur de ton foyer. Et moi, Monsieur Etier, de mon côté, je te promets de te faire un virement. 2 millions chaque mois. Mais papa, je n'ai pas besoin de ton argent. J'ai juste besoin de reprendre mon boulot. J'ai besoin de quitter la maison chaque matin, sachant que je vais au boulot. Sinon, je risque de devenir folle. Essaie de me comprendre. Mais que veux-tu que je fasse? Tu veux peut-être que j'abandonne mon bureau pour que tu t'y installes? Papa, je ferai tout. Même si tu veux que je sois technicienne de surface, je le ferai. Papa, cela représente beaucoup pour moi. S'il te plaît, je t'en supplie. Je ne connais aucune société où je peux travailler. Ok. Mais cette fois-ci, si tu démissionnes... Je ne vais pas partir, j'en connais aucune autre. Je te jure que je ne vais pas démissionner. Ma belle petite fille, tu vois, tu ne parles pas de tes problèmes personnels avec moi. Papa, est-ce que tout va bien? Il faut reconnaître que tu voyages beaucoup. Quelle belle excuse. Bonne arrivée, madame. Bernie a encore envoyé une autre femme? Qui êtes-vous? Cette femme-là fait quoi dans ma maison? Bonjour, madame. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Hey. Comment ça s'est passé? Ça s'est super bien passé. Il va me laisser travailler. Oh, wow. Il a accepté. Super. Elle, c'est qui? Elle, c'est la nouvelle ménagère. Elle viendra le matin pour nettoyer et repartira. Elle n'habite pas loin de la maison. Elle sera payée à 20 000 naira. Quoi? 20 000? Comment peut-on faire ça? Qu'est-ce qu'elle peut bien faire avec 20 000 marks? Je vous donnerai 40 000. Que Dieu vous bénisse, madame. Amen. Mais ça sera seulement si vous êtes humble et que vous travaillez bien. D'accord, madame. Merci beaucoup. Pas de quoi. Oh, Max, merci beaucoup. Non, tu n'as pas besoin de me remercier. Waouh. Ouais. Tu peux aller dans la cour arrière arroser les fleurs, s'il te plaît? D'accord. Oui.
Marc, c'est ma taille. Hey, comment tu es sûr que c'était ma taille? Je suis juste devine. Mais elle est courte. Ça me colle à la peau. Je peux porter à la maison? Bien sûr que oui. Oh, merci. De rien, chérie. T'as pas besoin de me remercier pour ça. Tiens, j'ai des fruits pour toi. Merci de m'aider à perdre du poids. Je te promets que c'est l'un des fruits que j'adore le moins. Ah. Tu me fais faire des choses, toi. Oh, tu sais, c'est très essentiel pour toi. Tu n'as qu'à imaginer que tous ces morceaux que tu es en train d'avaler sont comme de grosses bouchées de Big Burger. Délicieux. Tu n'es qu'un parano obsédé. Non, j'en veux plus. Oui. Je... Je te le répète. Non, juste laisse-les. Juste amical. Bébé, comment tu vas? Alors pour ça, je couche avec lui? Hein? Tu penses que je suis stupide? Tu penses que je suis fou, hein? J'espère qu'il n'aura pas de problème si j'ai aussi des amis dehors. Quoi? Quant à ton soi-disant frère, je veux qu'il parte. Parce que je ne suis pas sûr que c'est ton frère. Non, mais attends une seconde. Qu'est-ce que tu veux insinuer par là? Non. Mais c'est à toi que je parle. Ok, d'accord, sors. Sors. C'est ça. Oh. Je dois encore te dire ce que je veux acheter. Je suis une femme et tu dois comprendre oui, cela. Oui, j'ai besoin de savoir. Donne-moi l'argent simplement. Tu n'as pas besoin de savoir ce que je veux acheter. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour, Marc. Ah, ce soleil est au zénith. Vraiment du courage à toi. Très chaud. Tu allais marcher un peu? Ouais, actuellement, je... En fait, je m'apprêtais à vous annoncer la nouvelle. J'ai trouvé une maison. Enfin, et je compte l'aménager. Oh, mais c'est très bien. Super. Merci beaucoup. Je tiens à vous dire merci pour votre hospitalité, ça me va vraiment droit au cœur. Mais Marc, je peux savoir pourquoi c'est maintenant que tu me le dis? Oh, désolée, sœurette, mais tu étais trop occupée. Hein? Alors, je vais prendre congé de vous. Merci encore. Pas besoin de dire merci. Ok, si vous avez besoin de moi, je suis à l'intérieur. Et comment je dois me sentir maintenant qu'il part d'ici par ta faute? Mais c'était le moment de partir. Je ne pensais pas que sa présence te gênait vraiment. Mais non, il ne m'a jamais dérangé. Ok? Il était temps pour lui de s'en aller. Oh, je t'en prie, n'essaie surtout pas de me faire la morale, s'il te plaît. C'est quoi le problème? Tu l'as carrément jeté dehors. Ce n'est pas moi du tout. Il part parce qu'il le faut. Non, mais tu ne vas pas me dire que tu dors, chérie. Allez, debout. Laisse mon père, j'ai besoin de dormir. Quoi? Il est déjà 10 heures là et tu ne dois pas être au lit. Et tu sais que je pars aujourd'hui. Ok, mais on peut partir vers 12 heures. 10 heures, c'est un peu tôt. Laisse-moi dormir Midi. Un peu. Oui. Lève-toi. Allez. Mais qu'est-ce que tu fais? Allez, direction la douche. Non. Tu vas prendre. Oh non. Non. Tu es fou. Tu es sûr que tu ne veux pas te toucher, hein? Tu es prête à te laver? Oui ou non? Hein? Dépêche-toi. Je te promets que je vais dormir dans la douche. J'ai trop sommeil. Je te préviens, tu as 10 minutes. Tu n'es qu'un fou. Il faut que j'y aille à cause des embouteillages. C'est tellement énervant. Ok, je comprends. Mais chérie... Oui, maman. Penses-tu que c'est un homme bien? Il n'est pas seulement bien, c'est l'homme idéal. Tu ne penses pas que j'en suis la preuve? Tu as bonne mine. Mais écoute, c'est naturel parce que tu as trouvé un nouvel amour. Ce n'est pas mon amoureux. Il ne m'a jamais touchée. Il était supposé le faire? Mais oui, je n'ai pas de rapport sexuel depuis 2 ans. Cela m'a fait vraiment réfléchir. Maman, je veux quitter la maison pour aménager ici. Tu vas quitter la maison? Maman, tu sais ce qui se passe. Ou bien je ne suis pas la bienvenue. Non. Tu es chez toi ici. Ok. Je t'aime, ma fille chérie. Moi aussi. Ok, je te rappelle. Merci. Bien sûr. Non, c'est pas possible. Mais oui, qu'est-ce que tu crois? C'est normal, tu as une tête toute rasée. Quoi? Je vais t'acheter des cheveux. Ok, d'accord. Merci beaucoup d'être venu me voir.
Je n'ai pas envie qu'on se limite aux bisous. Ok, je vois. Mais... Loretta, Okochieche. S'il te plaît, voudrais-tu être ma femme? S'il te plaît, dis oui. Mark. Loretta, Loretta, où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? Je quitte la maison. Oh, tu vas chez ton petit ami, hein? Il y a un problème? Bref, Bernie, je ne veux plus qu'on vive ensemble. Je te pardonne. Et je quitte la maison pour aller vivre dans un endroit où je serai plus heureuse. Alors... je n'ai vraiment pas de rancune contre toi. Loretta, tu ne le connais pas. Non, c'est toi que je ne connaissais pas. Je suis heureuse que tout ceci soit arrivé. Tu sais quoi? Ça m'a permis de redécouvrir ma personnalité et mes sentiments. Ça fait du bien, je t'en suis reconnaissante. Tu sais, à propos de notre petite fille, j'aimerais que Mirabelle ait une meilleure vie, malgré le fait que nous ne soyons plus ensemble. J'espère que tu comprends. Et pour la maison... je pense que je ne dois pas lutter pour ça. Tu peux la garder. Tu en auras besoin. Ça fait partie des étapes de la vie. Je te souhaite le bonheur. S'il te plaît, Loretta. Lori. Hey. Bernie. J'ai bien entendu Lori. Hein? Elle est le nom de caresse que tu lui donnes? Non, toi aussi, bébé. Tu ne vas pas t'énerver pour ça. C'est rien de spécial. C'est rien. Ne me touche pas. Je pense que je suis en train de perdre mon temps dans cette maison. Jacqueline, ne recommence pas à faire des histoires, s'il te plaît. Jacqueline. Jackie. Oui, qui est-ce? Entrez, la porte est ouverte. Ah! Bonne arrivée, mec. Comment est-ce que tu m'as trouvé? Viens, viens t'asseoir. Est-ce que Loretta est ici? Pardon? Loretta. J'aimerais voir Loretta. Elle ne vit pas ici. Ok. Merci. Non, mais attends un peu. Qu'est-ce qui t'a donné l'impression qu'elle était chez moi? Rien. Rien du tout. C'est une erreur. Désolé. Excuse-moi de t'avoir dérangé. Ok, c'est compris. Mais au moins, prenons juste un verre. Non. Peut-être une prochaine fois. Désolé encore. Ok?
Bernie a fait quoi? Il est venu jusqu'ici pour moi? Je rêve ou quoi? Donc il pense que je vis avec toi? N'importe quoi. J'ai un peu peur. Pourquoi? De quoi as-tu peur? Je pense qu'il t'aime encore. Je peux le lire dans ses yeux. Bébé, c'est toi seul que j'aime. Je porte ta bague. Tu sais quoi? On peut avancer la date du mariage. Ça ne me dérange pas sincèrement, mon chéri. Je t'aime. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Depuis quand est-ce que tu m'attends une heure tardive? Depuis que tu as décidé de ne pas me donner le respect que je mérite. Bernie, pourquoi tu fais ça? Bernie, dis-moi pourquoi tu allais chez mon frère demander pardon à ton ex-femme? Loretta, pourquoi tu ferais ça? Je suis allé voir ton frère. Tu n'es qu'un gros menteur. Un gros menteur, j'ai dit. Comment oses-tu me mentir en me regardant dans les yeux? Bernie, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour cette relation? Et qu'est-ce que je dois faire pour le prouver? J'ai mis de côté mon ego, ma fierté, mon honneur, et même ma dignité de femme a été piétinée. Juste parce que je voulais que ça marche. Mais c'est pareil, toujours pareil. Tu continues à jouer, tu ne t'arrêtes pas de me blesser. Ton frère ne dit pas la vérité. Lâche-moi. Il essaie de nous séparer, je te dis la vérité, écoute-moi. S'il te plaît. Tu peux mener ta vie comme tu l'entends. Fais comme bon te semble, d'accord? Je suis heureuse comme je suis. Les preuves sont évidentes. Loretta m'a appelée. Elle m'a appelée pour me mettre en garde à cause de toi. Nous avons décidé d'avancer la date du mariage. Ça ne dérange pas, papa. En plus, Marc doit voyager. Il va où? En Europe, c'est là-bas qu'il vit. Oh, ok. Si ça se passe bien, j'irai le rejoindre. Maman, attends. Il pense qu'il peut débarquer ici comme bon lui semble. Et s'il n'est pas chez lui, il faudrait qu'il le sache. Bonsoir, maman. Bonne arrivée, mon fils. Bernie, tu me pompes l'air. Ta femme ne t'a pas fait la commission? Mais je suis là juste pour voir ma fille. Ah, ok. Mirabelle? Mirabelle! Papa! Comment vas-tu, mon ange? Papa, Oncle Marcel est très gentil. Il a promis de m'emmener au parc demain. Attends, mon chéri, j'ai une surprise pour toi. Ah! J'espère bien que tu ne vas pas me faire une blague, petite fille. Arrête un peu! Mais dis-moi, tout va bien? Oui, chérie, ça va. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas normal, toi. Je te vois venir. Non. Oh mon Dieu. On y va. Arrête. Tu es trop fou, toi. Va chez ta mère un instant, ok? On se voit tout à l'heure. Donne-moi une minute. Maman, je sais que je lui ai fait du mal. Je sais qu'elle est blessée. Je le sais, mais s'il vous plaît, tout le monde fait des erreurs. Je veux que vous lui parlez, s'il vous plaît.
Bernice, ce n'est pas de mon ressort. Désolée, mais je ne peux pas t'aider. Maman, s'il vous plaît, j'ai complètement changé. Je ferai de mon mieux, je l'aimerai encore plus. Je m'en veux tellement, je n'arrive pas à vivre loin de ma famille. Parlez-lui, dites-lui que je lui demande pardon. Je suis désolée, je regrette. Elle se mariera bientôt. Et je ne sais pas pourquoi, mais elle a décidé d'avancer la date du mariage. Je ne peux rien faire. Je suis vraiment désolée. Laurie. Sors immédiatement de cette maison. Laurie, s'il te plaît, écoute-moi. Pardonne-moi. Laurie, ça fait longtemps, ça. Laurie, tu ne peux pas te baser sur ce qui a été négatif ces dernières années. Je t'ai fait du mal, je le reconnais. Mais j'ai aussi été fidèle. Ok, je n'ai pas eu la bonne manière de l'exprimer, mais je suis resté fidèle. Tu as dit fidèle? Tu n'as fait que m'insulter. À chaque fois que je faisais des erreurs, j'étais une femme d'affaires classe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu refusais mon statut. Par la suite, tu m'as dévalorisée et quand j'ai touché le fond, tu t'en foutais. Laurie, tu te délaissais. S'il te plaît, écoute-moi. Tu te délaissais et je ne savais quoi faire. Je n'ai jamais voulu d'un homme qui ne pouvait pas faire face à mes faiblesses. Je ne pensais pas que tu pouvais utiliser tes erreurs contre moi. Tu m'as vraiment blessée, Bernie. Tu as ramené une autre femme dans ce foyer que nous avons construit. Tu as carrément foutu à la poubelle toutes ces étapes difficiles que nous avons supportées. Et pourquoi? Tu ne m'as jamais amenée à changer. Laurie, je suis désolée. Je suis également désolée. Marc était prison. Marc est et Marc sera toujours prison pour moi. Je n'ai pas l'intention de retourner là où on m'a vomi. Ce n'est pas un endroit où il fait bon vivre. Laurie. Laurie, s'il te plaît, je suis désolée. Laurie. Je l'aime, tu sais. Je ne peux pas t'en vouloir pour ça. Tu vis aussi avec ma sœur et je l'aime également. C'est comme ça que tu traites les femmes. C'est un jeu pour toi. Je l'aime. Laquelle des deux? Parce que les deux représentent beaucoup pour moi. Et je ne peux pas rester là et regarder un malade se foutre d'elle. Tu sais quoi? Tu ne mérites pas d'avoir une femme dans ta vie. C'est une histoire assez complexe. C'est vraiment complexe. Je suis désolé. Sors de chez moi. Marc, écoute, tu es le seul qui peut m'aider à gérer cette affaire, s'il te plaît. J'ai dit, sors d'ici. Excuse-moi. Tu n'es qu'un menteur et un bon à rien. Est-ce que tu m'as entendu? Tu ne mérites même pas que je te traite avec respect. Hors de ma vue.
Laurie, s'il te plaît, laisse-moi m'accompagner avec toi. Hé, mon ange, t'as grandi là. S'il te plaît, laisse-moi au moins faire ça. Laurie. Ne me dis pas qu'il n'y a pas une petite place pour moi dans ton cœur. Ne sois pas si dur. S'il te plaît. Sois sage, ok? Laurie. Loretta. Loretta. Maman. Tu ne lui en voudras pas toute ta vie. Tu as aussi ta part de responsabilité. Maman, je suis passée à autre chose. Moi, je n'en veux à personne. Je lui ai pardonné. Si je reste encore là, à rejeter la faute sur lui, penser à ce qui n'a pas marché, ça signifie que j'ai encore des sentiments pour lui. Et ce n'est pas le cas. Ma fille, le pardon est divin. Étant ta mère, je te conseille de rejoindre ton mari. Pourquoi? Vous avez peur que je jette la honte sur cette famille en me mariant avec un autre homme? Non, 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 non. Non, c'est juste parce qu'il implore ton pardon. Oh, mon pardon? Si c'était moi qui lui avais demandé pardon, il allait accepter? Maman, ou parce qu'il vient ici souvent pour me présenter ses excuses, je dois automatiquement me jeter dans ses mains? Maman, ne vois-tu pas que tout ce qu'il veut, c'est jouer avec mes sentiments? Tu aurais dû le savoir plus tôt avant de te marier avec lui. Le mariage n'a jamais été quelque chose de simple. Ah bon? Je ne serai jamais d'accord pour vivre dans un foyer où mon mari, maman, ne fait que se foutre de moi. Ce n'est pas ça ma définition du mariage. Mon enfant, mon mariage n'est pas parfait. Aucun mariage ne l'est. J'essaie de te le faire comprendre. Que signifie donc l'amour pour vous si vous n'êtes pas capable d'affronter le pire? Marc est un homme bien. Oui. Je l'apprécie. Tu vois. Mais devrais-je choisir Bernie à sa place? La réponse est oui. Maman, ne me dis pas ça. Ton père n'accepte jamais ses propres erreurs. Il ne m'a jamais présenté ses excuses. Alors quand je vois un homme qui présente ses excuses, je l'apprécie encore plus. Je prie pour ne pas que tu tombes dans les bras d'un homme comme ton père. Tout ce que je veux, c'est un homme qui m'aimera inconditionnellement. Et Mac est cet homme. C'est l'homme avec qui je veux rester. Tu le penses vraiment? J'en suis sûre. Tu te trompes, ma chérie. Embrasse-moi. Embrasse-moi, bébé. S'il te plaît, parle-moi. Il veut que je retourne avec lui. Il veut que je regagne mon foyer. Ok, j'ai une idée. Allons, allons-nous-en d'ici. Allons vivre ailleurs. Je ne veux pas te perdre. On pourrait se marier en Europe. Je suis prête à le faire. Je pense qu'il ne faut pas. Quoi? C'est plus compliqué que je ne le pensais. Thank you.
j'ai laissé un autre homme s'occuper de la femme que j'aime. J'ai fait une grosse bêtise. Et pour ces choses atroces que je t'ai fait endurer, je te demande pardon. Bébé, tu dois retirer cette bague qu'il t'a donnée. Non. Non. S'il te plaît. Non. Loretta, il le faut. Ok? Tu ne dois plus la porter. S'il te plaît, bébé. Je vais prendre une douche. J'ai un peu transpiré. Non, ça ne me dérange pas. Hein? Ça me va.